C'est la sulfureuse, romancière et metteur en scène à qui l'on doit entre autres Romance et Anatomie de l'Enfer avec Rocco Siffredi. Vous n'avez pas envie que je dise ça? Ah ben non, je suis ni sulfureuse. J'aime pas être romancière, j'aime pas réalisatrice, je suis pas. Voici Catherine Breillat. Moi, c'est à la demande, hein. Faites votre présentation vous-même, alors qu'est-ce que je dois dire? Ben, moi, je trouve que je réfute totalement le mot de réalisatrice parce que je ne suis pas le maçon, je suis l'architecte. Enfin, quand même, c'est un film 2, Catherine Breillat. Vous êtes ouais. En plus dans la sélection officielle. Un film 2, ça veut dire que je suis metteur en scène de cinéma. Oui, d'accord. Mais enfin, bon, vous êtes d'accord qu'en général, on dit réalisatrice dans ces non, cas-là. Non, on le dit depuis quelque temps et moi, je ne veux pas entendre ça. Bon, alors, metteur en scène de cinéma, très elle bien. C'est un... ah, oui. Mais oui, mais c'est un elle est chiante, Breillat. C'est pas croyable. On est dans la patrie du droit d'auteur. Ça, réalisateur, c'est un mot du copyright. Ça veut donc, dire ni réalisatrice, ni sulfureuse. Ok. Chiante. Pas romancière, mais chiante, ça va. Non, sulfureuse, ça voudrait dire que je pue, alors. En tout cas, c'est... la première fois que vous vous retrouvez dans la sélection officielle à Cannes, c'est la première fois, c'est plein de premières fois, la première fois que vous faites un film en costume. Première film en costume, okay. À gros budget. Première fois à Cannes. Oui, bon. Enfin j'ai fait à Cannes, j'ai fait le marché du film modestement, deux fois la quinzaine. Mais dans la sélection officielle, c'est la première fois. Voilà. Et on va regarder, de toute façon, la bande-annonce du film, Une vieille maîtresse est et adaptée... Et le jeune homme est sublime. Alors on va en parler de tout ça. C'est adapté de la nouvelle de Barbet de Révilliste avec Asia Argento, Roxane Mesquita. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Alors, Fouad, aidez-moi là. Aït Atou. Fouad Aït Atou. Yolande Moreau. Oui. Et Claude Sarraute. Vous êtes allé chercher géniale. Claude Sarraute. Chez vous, ce qui fait que j'ai l'impression d'être dans la rose pourpre du Caire. Sauf que là, j'intègre l'écran. Voilà. Alors, Claude Sarraute qui joue quoi dans le film? La marquise de Flers. Bande-annonce d'une vieille maîtresse. Vous n'avez pas de remords de faire épouser à votre petite fille un libertin? Elle aura vraiment tout essayé pour faire rompre mon mariage. Il a une maîtresse, chère marquise. Et cela depuis 10 ans. Je ne remettrai plus les pieds ici. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ta petite comtesse de Mendoza? Je n'ai jamais aimé personne comme elle. C'est pas ça, l'amour. Tu me reviendras, Reno. Cette femme a été longtemps ma maîtresse, mais elle ne l'est plus. C'est une bien triste histoire. Savez-vous qui est cette femme? Pourquoi es-tu venu ici? Il faut mieux que tu me trompes. Tu es folle! On ne trompe pas quelqu'un que l'on aime avec quelqu'un que l'on aime plus. Elle me reviendra comme d'habitude. Une vieille maîtresse! Philippe Vandel, viens ici. J'ai adoré, pour plein de raisons. D'abord, j'avais adoré Une vieille maîtresse et je n'ai pas été déçu. S'il y avait une toute petite chose, un tout petit bémol à faire, c'est il y a un tout petit peu de lenteur. Je m'empresse de le dire tout de suite pour l'évacuer et dire à quel point c'est fort, à quel point on a peur, à quel point c'est beau, à quel point les personnages sont justes, à quel point cette jeune mariée sous son voile est splendide et à quel point Asia Argento est absolument incroyable. J'avais vu Romance X et vos précédents films, Catherine Breillat, et je me dis, est-ce qu'elle n'aurait pas remplacé? Il y a des scènes très dures, mais ce ne sont pas des scènes de sexe. Il y a presque des scènes de boucherie. Est-ce que vous n'auriez pas remplacé les gros plans de Rocco Siffredi par des scènes de boucherie-charcuterie? Est-ce que vous n'êtes pas passé de l'amour à la mort d'Eros à Thanatos? Pas du tout, mais ça, effectivement, je me disais, évidemment, le mort... mais ça, c'est décrit. Dans Barbet de Révilliste, c'est décrit. Mais c'est vrai que le mort et le corps du jeune homme, un peu comme ça, ça fait... ça donne envie d'être serial killer. Alors, je me tourne maintenant vers Philippe Gueluc qui a vu aussi le film. Pareil que Vandel, très, très beau film, sincèrement. Ça, merci. Un peu lent. C'est vrai, c'est tellement long, c'est plus long, et comme c'est très bien, on est content plus longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est bien que ce soit là. Claude Sarraute est absolument... Alors je ne sais pas ce que vous lui avez fait, si vous avez dû vous allez nous dire, si vous l'avez dirigé, si elle avait ça en elle. Claude, elle est d'une juste... Attendez, elle est d'une justesse, elle a une présence, elle est absolument formidable, et elle va commencer une... carrière de comédienne époustouflante. Vous croyez? Écoutez, attends, je vais te dire un truc parce que j'en ai parlé à Claude que j'ai vu ce matin. Je lui ai dit, tu es formidable, tu m'as bluffé. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, attends, j'ai l'air d'une vieille dans ce film. Et elle, en voyant le film, elle m'a vu que ça.
Et alors, un mot sur ce garçon, donc. Où est-ce que vous l'avez trouvé, Fouad Aïta Atou, alors? Ah ben, je l'ai trouvé, en fait, à la Belle Ferronnière. Il était de dos, d'abord, je lui avais dit de me laisser la place, je ne l'avais pas vu, parce que j'étais en préparation de Barbe Bleue. Et puis, tout d'un coup, je le vois arriver du fond de la terrasse, et j'étais avec mon assistant, et je lui dis... Ça, parce que c'est comme ça que je parle des acteurs. J'avais fait la même chose avec Roxane. Ça, tu vois, c'est Rideau de Marigny. Celui-là, il est à moi, il est pour moi. Et alors, vous l'avez... Vous lui avez dit de faire des auditions, de caster. Comment ça s'est passé? Il est arrivé directement vers moi. Je le trouvais toujours aussi éblouissant. Et il m'a dit, j'ai vu Romance. Il m'a tendu son numéro de téléphone. Et il a bien fait. Jean-Bernard Hébé. Moi, je ne connais pas Madame Breillat, mais j'ai lu beaucoup de choses sur elle. Vous me séduisez énormément parce que vous êtes quelqu'un qui appelle la controverse. Et je voudrais citer quelques phrases que vous avez dites. Il y a notamment la phrase du vicomte de Prony, dit « Je mettrai ma gloire à être impopulaire ». Ah, c'est exactement moi, ça. Et vous, voilà, ça vous définit assez bien. Après, vous dites « Je me suis fondé dans l'opposition ». On voit aussi qu'aujourd'hui, vous tenez bien. « Si tous les gens qui disent du mal de mes films les avaient vus », je serai milliardaire. Ah ben oui. Et enfin, votre définition des femmes, qui va évidemment beaucoup plaire à Isabelle, le vrai destin d'une jeune fille, c'est de ne plus l'être et de se transformer en dinde. Alors, je trouve que là, vous avez vraiment inspiré la controverse. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous êtes assagi. C'est le cas ou pas? Non, non, je ne me suis pas assagi, rassurez-vous. Moi, je ne suis pas politiquement correcte. Ça, on s'en est aperçu. Christine. Alors, comment veux-tu que moi, j'adore pas la Breillat, tu vois? Non, mais franchement. Alors, la Breillat, tu l'aimes ou tu la détestes, en fait? Elle ne peut pas laisser indifférent, ça me rappelle quelqu'un, tu vois? Et donc, j'ai. Alors, il y a des films d'elle que j'ai détestés. Il y a des films d'elle. Des alors, films je vais d'elle vous que j'ai. Une question. D'avant. Donc il y a des films que j'ai adorés, j'ai détesté Romance, mais j'ai adoré 36 fillettes. Alors, Catherine, je vous préviens, oui. Barbet d'Aurevilly est mon auteur préféré. Est-ce que vous êtes complètement mégalo ou inconsciente quand vous vous attaquez à ça? Je suis mon goût. J'ai jamais fait d'adaptation, j'avais envie d'en faire une. Et surtout, je me dis que si j'avais vécu à son siècle, j'aurais été Barbet d'Aurevilly. Vous auriez été Barbet? Ah ben bien sûr. Je vous vois un peu Vellini. J'ai juste une autre question. Vous avez dit quand non, même, pas vous êtes du vachement tout gonflé. Parce que, bon, vous avez eu un accident cérébral, oui. Vasculaire cérébral, qui vous a laissé quand même un peu handicapé. Ça se voit pas. Ben non, ça se voit pas, je cherchais d'où vous étiez handicapé. Vous êtes à moitié paralysé, en fait, il faut dire. Vous avez quand même réussi à monter ce film. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Oui. Voilà, il faut quand même le dire. Je disais, c'est un film qui tient sur un pied. Oui, mais ça se voit pas que vous êtes à moitié paralysé. Et vous avez dit, une moitié de Breillat, ça vaut tous les cinéastes français. La moitié de moi-même vaut mieux que l'entier des autres. C'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est vachement bon fait. Isabelle Alonso. Eh bien, elle a raison. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu dis que ce qu'elle dit sur les jeunes filles et tout, ça ne me plairait pas. Je trouve qu'au contraire, je ne sais pas si je peux employer le mot subversive, mais vous êtes profondément subversive parce que vous dites ce que personne ne dit. Ça me plaît, subversive. Ah. Ça me plaît plus. Mais c'est ça, en fait, que je voulais dire. C'était subversif, c'est pas sulfureux, bien sûr. C'est subversif. Est-ce que quand vous serez dans votre petit nuage, dans l'au-delà, et que vous verrez les gens vous tresser des lauriers et faire des festivals de cinéma en votre honneur, ça va vous emmerder ou vous allez être contente? Ah, mais j'ai déjà des rétrospectives partout. Partout dans le monde, hein, parce que je suis très très bien vue, moi, dans les pays anglo-saxons, nordiques, asiatiques. Perry Cochin. Moi, j'avais envie de savoir quel était votre rapport aux hommes, parce qu'on a beaucoup lu... Rapport aux hommes. Ah, ça l'a fait hurler de rire, déjà, c'est bon signe. Bah, parce qu'ils sont plutôt sexuels, à mon avis. Non, mais moi, j'aime beaucoup les garçons, plus que les hommes. Alors oui, vous avez dit, je n'aime pas les hommes, mais j'aime les garçons. Et ensuite, vous dites que vous leur faites peur, que... Ah ben non, mais par exemple, bon, il n'est pas là, mais Bénichou, s'il était là, c'est pile l'homme que j'aime pas. Oui. Eh bien, je vais vous dire. Il y a probablement une femme qui n'aimerait pas non plus. Et je vais vous dire, ça tombe bien qu'ils soient pas là. C'est ce que j'appelle suffisant, mais pas nécessaire. Oui, mais alors que, vous avez certaines prétentions. Quelqu'un comme Fouad, par exemple... Ouais. Il est nécessaire et pas suffisant. Ça s'appelle Une vieille maîtresse, ça sort le 30 mai prochain, c'est présenté en sélection officielle au Festival de Cannes et c'est signé Catherine Breillat. Ça vous va signer?